Le morceau suivant, c'était. Il y avait une éclipse en 2015, pardon. Je crois que c'est 2015. Je pense que dans le sud-ouest, on n'est pas nombreux à l'avoir vu. Et il y a un phénomène particulier au pied des montagnes, ça s'appelle l'effet de Fun. Il peut y avoir les nuages sur la plaine, et juste en bas des montagnes, il peut y avoir le ciel bleu. C'était pas exactement ça, mais pas loin. Donc je me suis dit, quand même, c'est vraiment, on n'aura pas cette éclipse. J'ai pris la voiture, et depuis là où j'habitais, j'étais pas tout à fait en montagne, j'étais à 15 km d'entrée des vallées. Et je me suis dit, je vais quand même finir par la voir, et puis, avant qu'elle soit terminée. Quoi. Et puis, je n'ai pas réussi à monter très haut, mais j'étais arrivé au niveau de Biel, dans la vallée d'Ossau. Et là, soudain, j'ai vu l'éclipse. C'était un peu brumeux, c'était un peu dans les tons clairs-obscurs dont je parlais au début. Voilà, je l'ai vu là, juste là, comme ça. Voilà. Donc ce morceau s'appelle « En attendant l'éclipse ». Le morceau spatio-pyrénéen. Introduit par Pascal à la guitare. Pascal Segala.